Ah, oh, mon Dieu! Mais quelle histoire! Quelle histoire! Mais quelle histoire! J'aime ça lui dire un jeton au canon parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Ouais, Dieu, pas un Dieu! Hé, la vilaine! Mais qu'est-ce que c'est que cette piquette? C'est du bio que j'ai acheté! Du bio, il n'y a qu'un ici bio, c'est moi. Le roi du poireau, le roi de l'asperge. Et apporte-moi dans mon vin, s'il te plaît. Faut tout faire. C'est de la rare comme ça. Eh ben merci, voilà. Ça, c'est mon vin. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est du vin. Eh oui, parce que moi, je suis chobby. Je suis Charlie. Eh ben maintenant, je vais vous faire écouter le cover d'un morceau des Clash. What's up, voilà la semaine. Voilà, parce qu'il y a cette langue de chez nous. Donc, un morceau des Clash. What's up, de quoi la semaine. A tout de suite. Merci. Coucou, c'est Papy Tom. Le méchant guitariste des Clash. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un morceau des Clash, mondialement connu, qui s'appelle Home National Show National. Voilà. Alors, je vais vous l'écrire en bas ou en haut. Show National Show National. Voilà, c'est super. Donc, je vais prendre ma guitare. Voilà. Ok. Vous allez le reconnaître tout de suite. Ça fait ça. Okay, morceau très facile, trois accords, ré, sol et la, qui sont, et un fa de temps en temps, j'oubliais un fa. Donc voici l'intro que je vais vous jouer tout doucement, ça fait ça, ça fait normalement, ça fait ré, sol, ré, sol, ré, après on passe en sol, fa, sol. Ré, sol, ré. La. Ré, sol, ré. Voilà, vous savez tout le morceau prex. Alors ça fait ré. Je vais doucement, hein. Ça, c'est pour le couplet. Et maintenant, le refrain, il fait les mêmes accords, mais pas joué pareil. Donc, ça fait... Voilà. Vous prenez le ré. Ça, c'est vu, c'est ça le plus chiant en fin de compte, hein. Donc ça fait, moi je fais toujours façon Papy Tom, hein. Vous savez que moi je m'emmerde pas avec les versions des CD, Papy Tom. Alors je fais le, moi je prends le, c'est la fondamentale ou la tonique on dit, je crois. Ré. Encore d'aller plus doucement. Donc je joue la tonique et après je joue l'accord. On est parti.
C'est tout ce qu'il y a dans ce morceau. Alors maintenant, je vais vous le balancer. Et je vais jouer dessus pour que vous puissiez avoir le plan du morceau. Le plan du morceau. Le plan du morceau. Oui, j'ai oublié de vous dire que dans l'intro, les premiers accords, donc ils sont... Il y a un petit riff qui revient. Donc je vais vous le faire, ça fait... Ok. Je connais pas les notes toujours. Hein, je vais vous montrer les doigts, donc ça fait... Donc, ici, je pose mes mains sur le manche pour pas que ça sonne. J'appuie pas. Et moi, je rajoute ma paume de la main ici. Donc, ça fait... Les notes, c'est... Cinquième case, première corde, et vous allez chercher celle-là. Prenez vos oreilles, hein, c'est ma méthode, moi. Donc ça fait ça. Et le morceau est parti. Donc maintenant, je vais mettre le morceau. Donc maintenant, je vais vous mettre le morceau, je vais jouer dessus. Et je laisse la première mesure, enfin le premier cycle à vide, parce que je ne sais pas où me repérer. Voilà, et c'est tout, le morceau est terminé. Hein, les mêmes accords tout du long. Alors bien pensez à marquer ta. Le but c'est ta ta da 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 da. Alors dans les temps je sais pas mais ça fait ta da 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 da. Voilà, on repart sur le sol. Sol fa. Et le la. Le passage bizarre, hein? Ré, ré, sol, ré, sol, fa, sol, ré, sol, ré, la. Bon, et ben voilà, les petits loups, celui-là, il était super facile. Quoi dire d'autre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Non, mais des conneries, je suis resté cool aujourd'hui. Et puis voilà, et puis bon travail à tous. Merci, ciao bye. Ciao bye, les petits loups, rock'n'roll man.